Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Francie Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode sur SimCity. On est toujours en tant que maire de SimCity. Toujours autant maire de ce petite ville qui s'appelle Franciland. Que grâce à un abonné, il a pu dire et nommer ce nom dont tiens, il en est fier dès aujourd'hui. Bon, allez, on va faire un petit point sur tout ce qui est population, d'accord. Ils sont heureux, ils font du profit. Au niveau de l'électricité, est-ce que c'est bon? 13, ok. L'eau, ça va. Le toilettage, ok. Mon frère me donne son caca. L'élimination ordure. Je crois que dans le dernier épisode, on avait mis... Oui, on en a mis un pour évacuer... Non, pour faire brûler, pardon. La peau... Enfin, les ordures. Qu'ils y sont. Alors... Aujourd'hui, on va un petit peu se diversifier dans tout ce qui est centre commercial, dans le commerce. Tout à fait, pour que nos entreprises puissent écouler leurs marchandises. Le mieux, c'est d'avoir ce port commercial qui va pouvoir nous permettre de faire des connexions avec les trains. Mais on ne peut pas pour le moment, puisqu'on n'a pas soit un siège commerce actif dans la région, soit un siège pétrole, division commerce dans le siège pétrole, division commerce un siège métal, un siège électronique idem et un siège Omegaco idem. Oui, il y a beaucoup de choses à faire sur SimCity. Et on va d'abord regarder tout ce qui est au nombre des chômages. Waouh! Ah non, me dites pas que ça a rebugué. Pourquoi j'ai ma souris qui est... Attendez. Ma souris a disparu. Je sais pas si vous voyez plus ma souris, mais moi je ne la vois plus. Oh purée, ça va être super chiant. Ça arrive souvent ce genre de bug. Non. Bon ben on se retrouve pour un prochain épisode. Non je rigole, allez on fait un petit time lapse. Enfin un time lapse. Non. Bah on revient, je reviens. Re! Alors, j'ai relancé le jeu. Normalement, ça... Purée, c'est dégueulasse, les décors. Non, je crois que je suis au max. J'espère que ça va pas me refaire bugger. Délai des animations. Pourquoi c'est super bas, ça? Tu m'appliques. Ok. C'est reparti. Ah, là, les animations sont meilleures. Je trouve. Donc... Port commercial, je vous rappelle que c'est pour mettre... alors,
Pour ceux qui ne savent pas, c'est pour mettre. On peut mettre soit via connexion à. Enfin, connexion. Ah, j'ai cru que j'avais de. Connexion avec la mer, donc les. Par bateau. Soit connexion par. Par ferroviaire, par train. Waouh, j'arrive plus à trouver mes mots, c'est impressionnant. Alors, je suis à 85% de taux de popularité, pas trop vers les industries, enfin, avec les industries, beaucoup avec les commerces et beaucoup avec les résidents. Donc, on va voir quelque chose tout de même. Non, ça va. Au niveau des pompiers, tout se passe bien. Allez, on va leur mettre quand même au niveau des. Ouais, bon, ça va. De l'école. J'ai envie de leur mettre une université, comme je vous l'ai dit précédemment. On va mettre une université. Ici. Alors, il y en a qui m'ont demandé pourquoi tu n'as pas mis de choses au milieu. Tout simplement puisque. Enfin, j'avais pas réfléchi, mais je souhaite mettre une méga tour. Et comme vous pouvez le voir, ça prend beaucoup de place de mettre une méga tour. J'ai envie d'en mettre un là et un là. Voilà. Ça sera ici plutôt les pauvres. Et là, ça sera un coin très riche. Vrai que des méga tours de luxe. C'est un projet. Un projet qui peut faire son effet. Ça coûte cher, hein, un lycée, vous voyez, moins 1100 euros par, enfin, simflouz par heure, c'est énorme, vraiment. Donc je vous conseille pas trop, si vous avez vraiment pas assez d'argent, d'investir sur ceci. Donc je joue plus trop à des jeux ces temps-ci, puisque j'ai pas le temps. Puis j'ai pas trop, c'est pas vraiment une belle, 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 voilà, une très belle semaine que j'ai, donc bon. C'est pour ça. Alors, donc, je regardais quelque chose. On va voir du côté des pompiers. Qu'est-ce qu'ils veulent? Un feu d'artifice. Ça pourrait nous faire beaucoup d'argent. On va accepter. Par contre, stop! Parce que quand on fait ça, ça crée des incendies. Vous savez quoi? Ah, par cette simflouze! Sérieux, il nous manque presque rien. Ok, cette maison va être détruite. Celle-ci, elle est plus simple d'accès. Est-ce que vous pouvez me donner l'argent pour, s'il vous plaît? Oh non, la maison de devant est en feu. Ah bah bravo. Sauf qu'il y a des embouteillages, donc c'est pas cool. Pas, j'ai pas assez de team flows, malheureusement. Attends, ça a pas cramé? Si, je me disais aussi. Et moins de 5 incendies. On n'a pas gagné l'argent, hein. What? Bah ouais, mais bon. Ah, ça m'énerve. Mais y a. Est-ce que ici ça va pas me faire? Non, ça y aura encore des pauvres. Heureusement, je voulais qu'il y ait des pauvres ici.
À une ruine. Oh. J'avais pas vu. Alors, bon, il y a plus d'ordures, c'est une très bonne nouvelle. On va commencer à mettre un peu des jeux. Il y aura un petit casino pour faire plaisir. Ouais, j'ai bien envie de faire plaisir à mes petits villageois, enfin mes habitants. Vous ne croyez pas qu'il faut donner un peu de plaisir à ces petits gens qui travaillent? Il y a beaucoup de postes hein, qui sont dispo. Donc une méga tour serait un peu la bienvenue. Au niveau de l'eau. Ah, c'est eux qui m'en donnent et moi aussi j'en donne. Est-ce qu'on n'a pas... Ah si, on a un grand... On a ça. Ça serait pas mal de faire ça. Mais ça demande tellement d'objets. C'est tellement cher. Donc non, pas pour le moment. Et puis notre ville n'est pas encore assez développée. On en a besoin. Il faut que ça se développe. Ouais, faudrait qu'on mette des bus, des cars. On va faire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Oui, c'est ce qu'on fait. Ok, ils ont, c'est bon. Les lycées, c'est ouvert. Allez, au travail les gosses. Quart de ramassage scolaire, ici on en a deux. Bien qu'on en rajoute un plus. Sinon on fait 4. Voilà, comme ça il y a un peu plus de bus. Qui va chercher les enfants. Il faudrait bien qu'on mette des trams. Ça serait pas mal. Un réseau de tram, pourquoi pas. Développement des transports en commun. Ils peuvent se garer, une gare routière. Ça serait bien. Ouais. Au niveau des trams, ça coûte combien? On a aussi les trains. Ah! C'est trop bien ça. Oui, puisqu'il a, il a créé... mon frère a créé ça. Donc, oh, ben oui. Et il faut de l'académie. Voilà, il faut cette usine pour créer du contrôle net. Excellent. C'est excellent. On va faire ça. Il nous faut juste 40 000. On aura du contrôle net à fond. Ça sera trop bien. Moi qui cherchais à savoir comment on fait. Je me rappelle que mon frère me l'a dit, mais j'ai oublié. Parce que je suis un peu neuneux dans ma tête. J'adore, je m'insulte moi-même. Je suis tellement gentil pour moi. Enfin, avec moi. C'est tellement mignon l'amour que je porte pour moi. Mon propre amour. Oh oui, mon propre amour. Qu'est-ce qu'ils veulent, pompiers? Ouais, on va installer un jour une grande caserne.
On va la mettre ici, la zone à contrôle net. Puis pourquoi? Parce que... non, on va plutôt la mettre par là. Pourquoi? Parce que le truc de contrôle net crée massivement de la valeur ajoutée. Non, pas de la valeur ajoutée, je parle d'économie, moi. Non, ça crée plutôt une zone de richesse élevée, ce qui attire beaucoup les riches. Donc, on va plutôt la mettre ici, puisque ici, je voudrais bien que ça soit un peu les riches. En fait, ça serait bien qu'en haut, il y a les riches. Ici, ça sera plutôt une zone industrielle. Et ici, ça sera les riches. Et en bas, il y aura beaucoup de pauvres. Voilà, comme ici, c'est les pauvres. 800 Sims? Oh là là! Il y a beaucoup d'élèves! On va en rajouter une. Dis donc! Eh ben, ils apprennent beaucoup, hein, les élèves! Ah ouais, on a aussi des visiteurs. C'est sûr que là, on a plus de mal, hein. Plus on a 10 000 habitants. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a toujours des problèmes. Hein. On a ça. Les paupiers sont lents. Non, me dites pas que ça va être foutu. Oh, c'est foutu. Oh, ça parce qu'il y a trop de... Mais faut qu'on ait l'argent, hein. C'est ça le problème. Faut qu'on ait l'argent. Au niveau de la police, ça donne quoi? Ok, ils sont tous en prison, les criminels. Au niveau de la santé, 4 morts par jour. C'est mauvais, hein. 4 morts par jour, c'est pas bien. Hein. C'est très très mauvais. Faudrait qu'on fasse notre usine là de contrôle net. Et aussi, faudrait qu'on déplace ça. Tout ce qui est centrale éolienne et tout, station. J'ai envie de mettre une centrale à charbon ici. Là. Ça serait bien. Allez, bam, on va en faire une. Comme ça, on va pouvoir enlever cette centrale éolienne. Ça nous fera beaucoup plus. On n'aura pas trop de problèmes. On va mettre la livraison au marché mondial. Puisqu'on a, on fait pas de charbon ici. On a la potentialité d'en faire, je crois. Si je regarde la carte. Du charbon. Oui, on a des ressources du charbon ici. Et aussi du niveau au pétrole, je crois. Non. Alors c'est plutôt du minerai. Non, je crois que c'était juste du charbon qu'il y a ici. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, bam. Ça, on démolit. Il faudrait qu'on mette une station de pompage, une plus grosse. Ah ouais. Ah ouais, il faudrait en mettre ici, c'est beaucoup mieux. Est-ce que je devrais pas faire un emprunt? Ouais, mais après faudra rembourser. Dur, dur comme décision. Est-ce qu'on augmente les impôts? Non, 10% c'est déjà bien. 11% ça commence à être un peu cher. Enseigne à 794, 800, 827. Ah oui. Oula. Peuvent être jusqu'à 1800. Oulolo. Oulala. Il y a beaucoup de lycéens. Oh my god. Régional. Ah mais il y a ceux qui viennent de la région. Ah bah c'est sûr, ça change, hein.
Vous dites pas qu'aussi l'école primaire c'est pareil? Non. Ah ouais, ça rigole pas. Il y en a qui viennent de la région. Sinon, j'ai 653. Ah, d'accord. Ok. Alors, au niveau de l'éducation, tout le monde est parti à l'école. C'est une bonne nouvelle. J'ai envie de voir qu'est-ce que ça va donner quand il y aura plus les cours. Je crois que c'est fini à 15h. Pour le lycée, c'est fini à 15h, je crois. Bam! J'ai raison. Ainsi que pour l'école primaire. Bam, bam, bam. Les gens, ils sont contents puisque ils voient que leurs enfants sont éduqués. Puis on voit que le niveau d'éducation commence à être bon. Et que il y a tous les élèves qui sont inscrits. Ça fait plaisir. Le niveau d'éducation est pas mal, hein. Enfin non, il n'y a que 2 étoiles sur 5, c'est pas super. Mais bon, on peut déjà en être fier, on a un lycée, une école primaire, pas mal. Puis les riches, ils vont être contents, hein, de voir leur fils être assez cultivé pour ne pas faire des crimes, ne pas faire le feu, enfin mettre le feu, etc. C'est très bien ça. C'est très très bien. Allez. Hop. Maintenant, au niveau des poubelles, c'est bon. Normalement, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. On a toujours 4 morts par jour. Améliorer les routes pour augmenter la densité. Ah, sérieux? Ils veulent déjà ça s'agrandir. Oh putain, je pensais pas, mais pourquoi pas? Densité élevée, densité élevée. Les bâtiments sociaux arrivent. Youhou! Densité élevée. Bam. Pas pour ça, ça sert à rien pour le moment. Oh là là! Ça va être grand ce truc. Qu'est-ce que ça va donner? On se demande. On se demande. Fortement. Ah ben il y a même ici, hein. Eh ben dis donc. Toujours 10 000 habitants. Par contre, au niveau du chômage, non, il n'y a pas de chômeurs. Il y a même des gens qui viennent travailler. 21 personnes. Pas mal. Hop, hop, hop. Ça, c'est le premier. On attend que ce premier soit fait et soit habité. Et ensuite, on va pouvoir s'arrêter. Pour cet épisode qui était assez bien, pas mal. Je suis content de cet épisode. Purée, ça rend pas mal, hein. Bâtiments sociaux. Bam. Combien d'habitants? 600. Ça fait 700 résidents. Oh, purée. Oh là 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 là, notre population. Ah, par contre, le chômage va venir. Ah, il y a du chômage. Fallait s'attendre à ça. Ah, mais oui, c'est vrai. Bon, ça va alors. On a des problèmes d'eau. Ouais. On va faire une obligation avant de se quitter. J'ai 20 000, 25 000. C'est bon. 44 000. Et on va pouvoir poser ce petit système. Ouais, allez, go. C'est possible. Processus d'embauche, je comprends.
Les entreprises locales. Ah ben ça crée des entreprises maintenant. Pourtant, niveau chômage, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, il y a beaucoup de chômeurs, mais employés, ils viennent quand? Ah, c'est bon. On va pouvoir enlever cela. Hop, on casse ça. Oh, une tour d'appartement. Ouh, ça a l'air beau. Allez, on se retrouve pour un prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un like. Abonnez-vous. Mettez un commentaire. Et à ciao tout le monde, je vous aime. Peace. Comme des coinsins. Oh.